Prépare-toi, petit garçon, elle sera longue, l'expédition. Et même si on n'en revient jamais vivant, il faut marcher droit devant. Il était haut comme trois pommes et qu'il n'était qu'un tout petit bonhomme. On le poussa hors du berceau, lui mettant un baluchon sur le dos. Le bagage vide d'expérience, il posera le pied dans son existence. On n'est pas si tôt arrivé que l'on doit faire face à sa destinée. D'abord, il faut franchir ce fleuve qui est l'enfance de toutes les épreuves. Là où même sa propre famille risque de le couler par la torpille. Déjà, on saura si sa coque et son bateau traverseront les époques. Ou bien s'il ramera à la dure dans une chaloupe remplie de fissures. Prépare-toi, petit garçon, elle sera longue, l'expédition. Et même si on n'en revient jamais vivant, il faut marcher droit devant. Dans cette forêt parfois agitée, là où on peut chercher sa voie, on est souvent perdu au fond de soi. C'est en sortant de cette allée qu'il pourra prendre les routes pavées, ou se contenter d'une avenue précaire en dehors des sentiers battus. Prépare-toi, petit garçon, elle sera longue, l'expédition. Et même si on n'en revient jamais vivant, il faut marcher droit devant. Enfin est la montagne hostile et son ascension au mille pays. Les victoires sont triomphales, mais où les chutes sont souvent brutales. Seuls quelques-uns se hissent en haut et réussissent à planter leur drapeau. La plupart stoppent à mi-trajet et se résignent bien à court du sommet. Prépare-toi, petit garçon, elle sera longue, l'expédition. Et même si on n'en revient jamais vivant, il faut marcher droit devant. Quand viendra l'âge du bilan, l'important sera que tu sois content. Car on fait ce qu'on peut dans la vie, tout dépend de ce qu'on a comme outil. On voudrait tous être aux commandes, mais l'offre est plus petite que la demande. Que l'on soit minus ou géant, il faut être fort pour traverser le temps. Bonne chance. On part dans quelques minutes pour le camp 1. Vraiment, pour de vrai. On vient de voir le médecin. Sylvain, c'est quoi tes paramètres? Écoute, j'ai 96% de mon oxygène disponible. Même le docteur, il est surpris. Là.
crissement bon. C'est comme si je serais à 0 mètre. Ça va bien. Camp de base à 4000 mètres et on se prépare pour faire l'ascension au camp 1. Et on a Caro. Puis Caro? Ouais, ça va bien. J'ai plus mal à la tête. Puis chez le docteur, ça a bien été. Saturation 91, pression 110 sur 70. Wow! Fait que tout va super bien. Fait qu'on va espérer que ça reste comme ça pour la suite des choses. Good! Just walk this way to the dawn of the light. The wind will blow into your face as the years pass you by. Hear this voice from deep inside. It's the call of your heart. Close your eyes. Out of the dark, here I am. Will you send me an angel? Here I am. In the land of the morning star. C'est quoi le bilan de la journée? Pas sortir! Ce qui vend ben trop, c'est malade là! Il y en a un qui s'attend d'être parti au vent et tombe en bas du ravin. Puis le gars il est parti à chercher. Nos voisins d'à côté. En plus c'était des Québécois. Ouais, des Québécois. Mais... Non, mais... On aurait donné deux palettes de chocolat énergétique là, mais tu sais que tu peux faire là. C'était trop malade, on vit d'une méchante journée, là. On a monté 800 mètres, on est descendu. La hauteur du Kilimanjaro, on est revenu. J'ai un petit peu brûlé. Il faut le refaire dans deux jours avec, ça, ouais, avec 20, lits, 20 kilos sur le dos. Ouais, 45 litres sur le dos. Là. Fait que ouais, c'est ça. Parti. Bilan de la journée. On est vendredi le 14 janvier, c'est ça? Ouais. Il est à peu près 8h15 le soir. Aujourd'hui, c'était une journée de repos. Ça a été super bien. On a joué aux cartes, tout ça. Et là, demain, on s'en va au camp 2. Le problème, c'est que dans la nuit de demain à dimanche, il annonce des vents d'une moyenne de 100-120 km/h, je pense. Puis, ce qui veut dire que sûrement qu'on va passer la nuit à tenir la tente. Pour tenir les poteaux de la tente. Pour pas qu'elle arrache. L'armature, hein. Et on va peut-être adapter une journée qui semblerait popper pour faire le sommet, c'est lundi. Fait qu'on ferait peut-être le sommet lundi. Fait que c'est ça qui se passe. Ouais. Just find your place in the eye of the storm. Seek the roses along the way. Just beware of the thorns. Here I am. Will you send me an angel? Here I am. C'est parti! 15 janvier hier, on a monté jusqu'ici dans des conditions assez tough. Des vents de 50-70 km/h. Des fois, tu montes et tu peux pas respirer là, parce que
Théo en attitude, puis il y a du vent, fait que c'est tough. Là. Puis on est arrivé finalement au camp 2. Puis pour monter à la tente, ça a été un super aria. Il fallait être trois pour monter à la tente, mettre des roches dessus, passer des pôles là-dedans en même temps. Les deux en même temps pousser pour monter à la tente, en retenant la tente aussi. Puis, ça, c'était... Après ça, une fois qu'on a monté à la tente, on s'est caché dedans, il faisait fret. On avait les mains gelées, puis on a passé la nuit à tenir la tente. Parce que les vents étaient... Les vents de 100 à 120 kilos, là, c'était fou. Là. Fait que... Fallait tenir les pôles au point de jonction de la tente, sinon la tente aurait écrasé, puis les pôles auraient pété, puis on aurait été finis. Là. Fait que... Malgré ça, il y a... Il y a une partie de notre toit qui a arraché, mais on continue pareil, là, tu sais. On se repose demain, c'est la journée de l'ascension, puis il y a du vent, fait que ça sera pas facile. Je sais pas si on va le faire, même, ça va peut-être être trop mon gars. En plus, on monte quand même assez haut en altitude, là. Déjà, là, j'ai de la misère à respirer un peu, là, tu sais. Fait que on va essayer, on va faire notre mieux. C'est la journée pour le sommet de la Aconcagua. C'est pas la meilleure journée, mais c'est la seule qu'on a. On a plus de temps disponible dans notre programme. Fait que, ben, on aurait demain, mais demain, il annonce la même chose. Fait que, des vents de 50-40 km/h. Gehen, dahin, wo ich sie zuletzt gesehen. Doch der Abend wirft ein Tuch aufs Land und auf die Wege hinterm Waldesrand. Und der Wald, er steht so schwarz und leer. Weh mir, oh weh, und die Vögel singen nicht mehr. Der Aconcagua, so, für mich. Mit dir bin ich auch allein, ohne dich.
l'ascension de Aconcagua réussie. Écoute, je suis encore surpris. Est-ce qu'on ait réussi ça? Moi avec, c'est tellement tough. Ça a été extrêmement difficile. Il y a une section où j'ai cassé littéralement. Là, j'étais plus capable d'avancer. Puis quand il restait à peu près 300 mètres à monter, là, mais je rappelle qu'on est à pas loin de 5000 mètres. C'est extrêmement dur. Je pensais tout arrêter. Finalement, j'ai dit bon. Puis j'y étais, mais tu sais, je dis, j'ai tout donné, mais après ça, fallait revenir. Écoute, ça a été extrêmement difficile. Mais faut se compter chanceux parce que il n'y a pas grand monde qui ont pu faire le sommet ces derniers temps. Fait que, en plus, on n'avait pas la bonne météo qu'il fallait, fait qu'on était super chanceux. Llegó el cancodrilo y Super Chango, toda la...